Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de votre soirée, eh bien Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, on parlera un peu d'autonomie, surtout d'autonomie alimentaire. Et à cet effet, je recevrai Jean-Claude Tomaso, qui était ancien journaliste à Canal 10 Télévision, avec qui on reviendra un peu sur le congrès des élus qui s'est déroulé en fin d'année et qui pousse effectivement à une prise de compétences et une prise de responsabilité. En parallèle, nous aurons Hugo Xibrin, qui est gérant et professeur de sciences, mais qui gère la société 100% ZEB, qui utilise uniquement des ressources locales. En troisième partie, vous retrouverez Yvelise Boisset pour son émission C'est politique, où elle reçoit les candidats aux élections municipales de 2020. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 7 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Après plus de 10 jours de blocage des ports de France, l'approvisionnement en produits frais est très perturbé en Guadeloupe. Une pénurie qui risque de durer, donc il faudra faire preuve d'imagination. Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés aux urnes pour élire le maire de votre commune. Mais avez-vous l'intention de voter et pour qui? Nous sommes partis à votre rencontre. Et en fin d'édition, nous saluerons la performance de 5 skippers qui ont réalisé une traversée de l'Atlantique à la rame afin de soutenir une association qui œuvre dans le milieu hospitalier, plus particulièrement pour venir égayer les journées des jeunes malades. Et alors que l'Australie est en proie aux flammes, Puerto Rico, elle, ne cesse de trembler. Après un séisme de magnitude 5,8 qui a détruit hier matin le célèbre rocher de la Ventana del Caribe, eh bien l'île a de nouveau été secouée aujourd'hui, plus fort que le précédent, avec une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter. La catastrophe a occasionné nombre de dégâts. Un homme de 73 ans a d'ailleurs perdu la vie dans la ville de Ponce lorsqu'un mur s'est effondré sur lui alors qu'il dormait. C'est sans compter effectivement tous les dégâts sur les infrastructures et même des églises qui sont tombées. Et vous l'aurez noté, la pêche aux oursins est rouverte à compter d'aujourd'hui, ce jusqu'au 15 janvier prochain. Pour mémoire, cette pêche a été arrêtée le 19 décembre à la demande des pêcheurs professionnels qui ont constaté que les oursins n'étaient pas arrivés à maturité. Un choix stratégique donc pour préserver la ressource et éviter la pénurie les années suivantes. Et en parlant de pénurie, de nombreux magasins et supermarchés ne sont plus approvisionnés en produits frais. La faute à la mobilisation générale en Hexagone qui sévit depuis plusieurs semaines et qui entraîne le blocage des ports. De quoi prendre conscience de notre dépendance, mais aussi faire preuve d'imagination. Le reportage. Un impact en fait sur le rayon fruits et légumes. Voilà. On est tout à fait, en fait impacté, parce que déjà les containers en fait ne rentrent pas. Donc on est forcément touché par ces pénuries. Les types de produits qui nous manquent, c'est essentiellement en fait les produits frais. Donc le rayon fruits et légumes, c'est les rayons frais en fait qui sont le plus impactés. Voilà. Il manque beaucoup de produits dans le supermarché. Ah oui, beaucoup. Parce que même hier, j'ai été à Destreland. Il manquait pas mal de produits à Destreland et les clients étaient déçus de retourner avec leur chariot vide. Et ils avaient fait quand même une liste pour avoir leurs produits. Lorsque tu as des enfants, c'est tout à fait normal que c'est gênant. Parce que si tu ne trouves pas les produits qu'il te faut, c'est un peu embêtant de faire chaque supermarché. Et là, et aussi, tu perds beaucoup de temps parce que tu fais quand tu fais le déplacement. Les solutions, ben, en fait, c'est éventuellement en fait, de faire plus d'avions, mais ça a un coût. Donc voilà, mais bon, pour essayer de satisfaire en fait le client, eh bien, c'est de faire, même si en fait eh bien, on bouge pas nos prix quoi. Ils vont pas payer plus cher, c'est un coût pour nous, mais pas forcément pour le client, puisque nous en fait on va pas bouger nos prix par rapport à ça. C'est juste pour que le client en fait ait son produit. J'ai dit que là il faut qu'on aille sur notre marché là, j'avais pas le choix. On essaye eh bien, d'aller voir, de travailler en fait plus avec les producteurs locaux, mais eux aussi en fait où ils peuvent pas livrer, ou eux-mêmes en fait n'ont pas été livrés. Donc ben, du coup, ben, on fait le système D, quoi. Mais après, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Moi, je dis,
aux personnes de consommer local et même faire leur petit jardin à côté. Un reportage signé Stanley Manicor et Maxime Morel. Et voilà des années maintenant que vous entendez parler de la création du syndicat unique de l'eau sans que rien ne se fasse. Mais bousculé par la population et l'État, nos élus semblent d'accord pour sa mise en place, mais avec leurs conditions. Et hors de question pour les usagers d'être exclus de cette nouvelle entité qui aura à charge la réfection des réseaux, mais aussi la bonne distribution du liquide vital. On écoute Harry Olivier, président de l'association collective citoyen de l'eau. C'est vraiment très difficile avec les élus parce que manifestement les élus veulent faire pour les usagers sans les usagers. Nous avons tenté depuis au moins 2 ans de solliciter les élus afin d'apporter notre contribution parce que nous avons présenté un projet de gestion de l'eau en Guadeloupe. Nous sommes les seuls à avoir fait ça. Et donc nous avons sollicité les élus pour pouvoir leur expliquer comment nous voyons ça. Mais manifestement, ce n'est que le 10 décembre que le président du conseil régional a réuni les usagers de l'eau et les présidents des communautés d'agglos. À la suite de cette réunion-là, il était pressenti que nous devions nous revoir, nous, les usagers et les communautés d'agglos. Ne voyant rien venir, nous avons adressé le 17 décembre dernier une lettre au président du comité d'agglos leur demandant de nous rencontrer afin de pouvoir discuter de la situation de la gestion de l'eau, la souffrance des usagers, le fait qu'on adresse des factures erronées et qu'on envoie des huissiers maintenant chez les gens saisir leur compte, saisir leurs moyens financiers. Et donc, nous voulions voir les présidents de communauté d'agglo afin de parler de ces problématiques de souffrance des usagers, mais également de leur parler de la façon que nous appréhendons et la gestion de demain pour la nouvelle structure. Donc la nouvelle structure, pour nous, c'est très simple. Nous avons défini dans notre projet, sur la base d'un principe qui est celui qui paye décide, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que les seuls payeurs concernant l'eau, ce sont les usagers consommateurs. Les élus ne mettent aucun sou dans cette affaire-là. Aussi, sur cette base-là, nous avons défini un concept qui dit que dès l'instant qu'il y a un client qui paye l'eau, l'organisme qui gère l'eau ne peut plus être géré par seuls les élus. Et nous appelons à une gestion en quatre quarts, à savoir que dans l'organe de décision de cette nouvelle structure, on doit trouver 25% d'élus, 25% des représentants d'usage de l'eau, 25% des sous-professionnels et 25% des salariés de l'eau. Et dans cette base-là, nous sommes très clairs. Or, ce que nous savons, ce que nous voyons dans les préfigurations qui sont présentées actuellement par les élus, donc pour les élus, c'est qu'ils ont pressenti d'avoir un organe de décision où on trouve 8 élus et 7 autres personnes. Nous disons aux élus, il n'est pas question que les élus soient majoritaires alors que ce sont les consommateurs clients qui payent. Les élus ne paient rien et les élus ont échoué. En tout cas, le message est clair de la part des usagers. Et nous avons contacté les présidents des deux collectivités majeures, à savoir Harry Chalus et Josette Bourrel-Lincertin, mais aussi le président de Cap Excellence, Éric Jalton, qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Et des élus défaillants sur la question de l'eau, vous le savez, mais qui feront appel à vos votes pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Dylan Bégarin et Michel Depape sont partis à votre rencontre pour savoir si vous avez l'intention de vous présenter aux urnes et à qui vous accorderez votre suffrage. Le reportage. Vous êtes de quelle commune ? Sainte-Anne. Donc vous, normalement, vous êtes inscrite à Sainte-Anne, vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter à Sainte-Anne ? Ben non. Non. Je sais qu'il y a un seul maire à cette année, c'est Baptiste. Parce qu'il porte le même nom de famille que moi. Mais sinon, je vais voter blanc. Je vote à Petit Beau. Non, moi, j'ai pas de candidat favori. Hein, moi. Je vote, c'est tout. Ma décision est déjà prise. Hein. Je vais voter. Ouais, voilà, parce que je vous dis que il faut, c'est un droit. Il faut aller voter parce que c'est un droit. Je vais voter simplement. Mais ma décision est déjà prise. Moi, je vote pas, je suis libanaise. Ah, vous votez pas ? Je veux bien voter. Je voulais bien voter, mais je n'ai pas la nationalité. À Pointe-à-Pitre, moi j'aimais bien le maire qu'il était avant. Okay. Il était gentil. Pointe-à-Pitre. Franchement, jamais voté de ma vie.
Moi, je dis qu'il faut vraiment suivre pour comprendre. Et voilà, après, j'ai pas envie de voter pour n'importe qui. Et surtout si ça me convient pas ce qu'ils disent. Donc, je vois pas pourquoi voter, en fait. Donc, voilà. Ah ben, en métropole, oui, parce que je viens de la métropole. Je viens en vacances ici, chez ma fille. Je sais pour qui je vais voter. Voilà. Mais je vous dis pas parce que c'est secret professionnel. Hein. Vous êtes de quelle commune? Basse-Terre. Basse-Terre? Ouais. Vous savez les candidats qui sont présents aux élections? Pas du tout? Non. Et est-ce que vous allez voter? Non. Pourquoi vous votez pas? Parce que j'ai pas envie. Monalo. Comme tout devoir de citoyen, mais je ne me vois pas voter pour qui que ce soit. Je fais juste mon devoir de citoyen. Vous allez voter quoi? Blanc. C'est quel commun? Jumeau. Je vois plutôt Bénin. Ouais, je la trouve bien. C'est quelqu'un qui est jeune et je pense qu'elle a des idées nouvelles. Et peut-être qu'elle pourrait innover, on ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui est jeune et je pense qu'il est compétent. Dis-moi, est-ce que tu suis les élections municipales? Non, du tout pas. Pas du tout, t'es de quel Non, moi, Abim. Franchement, moi, je trouve pas ça, j'apporte pas de l'importance à ça. Mais on te dit que c'est important. Parce que si tu veux aller chercher un travail, admettons, aux Abim, on te demande si tu es inscrit sur la liste électorale. Donc, tu es obligé, ouais. En fait. Mais après, moi, je me laisse passer du haut par les belles paroles. Okay. Moi, je regarde le travail qui est déjà effectué. S'il ne travaillait pas pour sa commune, je dit bon, peut-être je vais voter pour quelqu'un d'autre. Mais vu qu'il travaille pour sa commune, je vais voter pour lui. Oui, ça peut être important. Mais aux Abîmes, je crois que ça fait longtemps que c'est les mêmes personnes qui sont en place. Et pour changer ça, ça arrête. Yes. Mais apparemment, ça se passe bien. Je sais pas, je suis pas. Pour l'instant, j'entends parler d'Olivier Servat. Voilà. Bon, après, j'ai pas encore vu les programmes, j'ai pas, donc je pourrais pas vous dire. Et vous l'aurez compris, inutile d'essayer de fuir nos reporters, ils vous suivront partout. Et dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences, la préfecture faisait aujourd'hui un point étape sur le parcours TPE. Mis en œuvre par le Pôle emploi, ce dispositif permet avant l'embauche d'ajuster les compétences du demandeur d'emploi aux besoins des entreprises en leur permettant d'accéder à de petites formations. Objectif, permettre à ce public justement d'être mieux formé pour être plus rapidement engagé. Le reportage. Alors je rappelle d'abord que nous avons signé avec les collectivités locales, dont le conseil régional, un contrat de convergence et de transformation qui porte sur les 4 années à venir sur des investissements à peu près de 400 millions d'euros, dont 200 millions d'euros pour l'État. Dans ces 200 millions, il y en a 88 millions qui sont consacrés à la formation. Et donc c'est le plan régional d'investissement dans les compétences qui, sur les 4 ans à venir, permettra de mener des actions pour en particulier les publics qui sont le plus loin de l'emploi. Et donc aujourd'hui, je suis ici dans cette agence de Pôle emploi pour avoir les témoignages d'entreprises, mais aussi de bénéficiaires, de dispositifs qu'on a mis en place dans le cadre de ce plan régional d'investissement dans les compétences qui s'appelle Parcours TPE. Le dispositif Parcours TPE a été un dispositif très innovant pour ma société, puisque je suis une société récente qui a ouvert en 2018 et bénéficier de ce parcours TPE m'a permis effectivement après de me libérer un petit peu de temps puisque j'ai pu former mon employée, donc mademoiselle Goulam Mégane, qui aujourd'hui donc est en CDI dans ma société et que j'ai pu former donc pendant 6 mois. Voilà, donc vraiment le fait de pouvoir donner son savoir-faire, hein, ses connaissances, transmettre la transmission, ça a été vraiment très, très gratifiant. Oui. Il est vrai qu'avant donc, d'intégrer ce dispositif du parcours TPE, j'ai travaillé au sein du Pôle emploi pendant une année et ça a été une continuité. Je dirais que ce sont mes collègues et conseillers Pôle emploi donc, qui m'ont proposé d'intégrer ce dispositif, qui m'ont présenté cette entreprise qui était à la recherche d'employés. Et donc, c'était tout naturellement, avec quelques appréhensions, bien sûr, mais bon, j'y suis allée. Et ça, c'est quelque chose qui marche. Vraiment, c'est quelque chose qui marche. Et le Pôle emploi nous a accompagnés et nous accompagne encore. Ce dispositif, je dirais, il a été très enrichissant parce que, premièrement, j'ai découvert un métier. J'ai découvert un monde, le monde des assurances. J'ai toujours travaillé dans les administrations. Et donc là, je découvre encore beaucoup, beaucoup de choses. C'est un métier qui est passionnant.
passionnant parce qu'il y a ce côté relation humaine que j'aime beaucoup. Et puis, je découvre aussi tout ce qui est le côté analyse, le côté où il faut appréhender les choses avant véritablement de mettre à exécution. Donc, c'est tout bénef. Parlons maintenant des avocats du barreau de Guadeloupe qui ne plaident toujours pas dans les tribunaux et pour cause. Très remontés contre le gouvernement, les magistrats dénoncent d'une seule voix la réforme des retraites. Pour eux, cette simplification des retraites rime effectivement avec une grosse arnaque où augmentation des cotisations équivaut à baisse des pensions. Les avocats exigent donc le maintien de leur caisse et son autonomie. Plus de précisions avec le bâtonnier Charles Nicolas. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de mener une journée pour l'instant de grève pour marquer notre désaccord avec la réforme sur les retraites, effectivement, à l'appel du Conseil national des barreaux, qui est l'instance nationale qui fédère l'ensemble des barreaux et l'ensemble des barreaux de France, en fait, l'ensemble des avocats de France. Nous suivons ce mouvement et ce mouvement se caractérise donc en Guadeloupe par une absence totale de participation des avocats aux activités judiciaires aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'avocats qui plaident, il n'y aura pas d'avocats qui interviennent dans le cadre de la permanence, il n'y en aura pas pour l'aide juridictionnelle, il n'y en aura pas du tout qui interviendront dans le cadre des audiences pour lesquelles il serait appelé. Ben, nous l'avons exprimé dans plusieurs dispositifs antérieurs. On ne peut pas demander aux avocats qui ont cotisé à travers leur caisse de retraite et qui ont bien géré leur caisse de retraite, on ne peut pas leur demander d'accepter que cette caisse de retraite déjà ne soit plus gérée de manière autonome, d'une part. Deuxièmement, que la retraite qu'on va leur servir soit moindre et que les cotisations qui seront appelées seront plus importantes. Donc, en gros, avec la réforme qu'on nous promet, nos cotisations vont augmenter et notre retraite, en fin de course, va baisser. Donc, personne ne peut accepter ça. Ce n'est pas acceptable en l'État. Et les instances nationales sont vent debout pour demander au gouvernement de revoir sa copie sur cette question-là. Alors, nous aurons une assemblée générale aujourd'hui au barreau de la Guadeloupe à 15h, où nous invitons tous les avocats à venir pour que nous puissions statuer sur la poursuite de cette grève pendant une semaine, comme cela est envisagé en métropole. Vous l'aurez donc compris, les avocats ne plaideront pas pendant toute cette semaine. Et 46, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à 5 skippers au grand cœur pour traverser l'Atlantique à la rame. Ces derniers ont rallié les îles Canaries à notre archipel pour soutenir l'association Le Rire Médecin, qui porte la bonne humeur dans les hôpitaux et surtout dans les services spécialisés pour les enfants. Le reportage. Mesdames, messieurs, vous avez traversé bravo. L'Atlantique à la rame. C'était magique dans le sens où ils sont tous des gars géniaux. On n'a pas l'impression qu'il y a une différence homme-femme sur le bateau, donc c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Et c'est un respect des uns des autres. Même ce qui est un peu difficile, c'est qu'on est tous les uns sur les autres. Nous, on était deux à vivre dans la cabine arrière, c'est-à-dire que le maximum de distance qu'on pouvait avoir de quelqu'un d'autre, c'est 80 cm de distance pendant 46 jours. Donc parfois, c'est un petit peu difficile de toujours être les uns sur les autres quand c'est des moments compliqués, quand c'est des moments faciles, on a envie d'être heureux ou triste, mais il y a toujours quelqu'un avec nous. Mais ces gars, c'est des gars géniaux, donc c'est toujours un plaisir de le faire avec eux. C'est les instants les plus beaux de ta vie, quoi. Tu profites, t'es tout seul, t'as le temps de méditer. C'est une belle pause qu'on peut se faire dans la vie, qu'on peut souffrir dans la vie. Et je me suis offert cette vie-là. J'ai eu porté le message d'Edgar, super Simon qui était là avec moi tout le temps. Et dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, elle m'apprend de la patience, elle m'apprend beaucoup de concepts. Ça demande surtout de la discipline, de toujours vouloir le faire quand il est 3h du matin, qu'il pleut, il pleut non-stop et qu'on est au chaud dans son lit et qu'on se dit bah, c'est mon tour d'aller remplacer le copain et qu'il faut aller le faire. Il faut vraiment un peu de rigueur avec soi-même et puis un peu de folie pour le faire quand même quand il y a des grosses vagues et qu'on se dit bon allez, on va quand même survivre, ça va aller. Merci. C'est plaisir d'être avec vous quoi. On retourne sur la famille, moi j'étais à Gosier. Ouais, imaginez, j'étais en primaire à Gosier, je voyais Lily du Gosier, regarder l'océan, on rêvait d'océan. Et voilà quoi, on a traversé l'océan Atlantique. C'est super quoi. Bon, je suis le seul Guadeloupéen du bateau, j'attends un équipage 100% Guadeloupéen. Donc voilà, vous savez quoi faire quoi, c'est merveilleux.
Et notez une bonne nouvelle avant de se quitter. Damien Sophie a été retrouvé aujourd'hui au Gosier. Sa famille, effectivement, tient à remercier tous ceux qui ont participé à... au fait de le retrouver. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir on va parler un peu d'autonomie, pas que d'autonomie, mais de prise en compétence, parce que vous avez assisté sur Canal 10 Télévision à la fin d'année dernière au congrès des élus qui ont acté d'une seule voix, effectivement, peut-être un passage, une évolution statutaire. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. En tout cas, à cet effet, je recevrai Jean-Claude Tomasio, Monsieur T, qui est ancien journaliste à Canal 10 Télévision. Il nous aidera à décrypter cette petite actualité. Et on parlera aussi d'autonomie alimentaire, et ce sera avec Hugues Oxybrand, qui est professeur de sciences, mais aussi gérant à 100% ZEB, qui fabrique des produits 100% locaux, vous verrez. Et avant cela, je dis bonsoir à J.L. Géret, bonsoir à Alain MNG, bonsoir à Chrysos Chrysotom, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, bonsoir à Rodrigue Nidois. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre sur les réseaux. On se retrouve après la coupure pub.